Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature et aujourd'hui je suis avec Elisabeth que je n'avais pas revue depuis le chemin de Stevenson et là nous sommes sur la presqu'île de Quiberon, nous sommes partis de Plouarnel et ensuite nous sommes partis jusqu'à la pointe de Quiberon pour revenir sur Plouarnel et ça va faire un total à peu près de 50-55 km. Alors si on parle du début du circuit à partir du fort de Penthièvre, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le paysage, tout ce que tu as vu justement tout le long de ce chemin? Si on reprend hier matin. Alors, du fort. Du fort, donc on avait d'abord toute une partie avec un petit port, encore des habitations, puis après on se retrouve vraiment sur la côte sauvage où là il n'y a vraiment plus d'habitations et que de la végétation. Ouais. Et la mer tout le temps. Avec des super branchées, une mer qui était agitée avec un très beau temps. Tout était vraiment. Nous sommes arrivés sur Quiberon hier soir. Oui. Nous avons fait la pointe de Kegel. Kegel de nuit. Et là, tu as trouvé comment justement cette partie-là? C'était super sympa parce qu'on arrivait en fin de journée avec un soleil couchant, un ciel couchant. Et du coup, là, beaucoup plus de végétation. On avait des pins. Beaucoup plus de pins qu'on n'a pas du tout vu sur la première partie. Et ce matin, donc justement, nous sommes repartis de là-bas. Et comment tu as trouvé cette partie justement ce matin? Est-ce que tu as trouvé une différence de paysage entre les deux? Oui, ou pas du tout? Oui, tout à fait. On a vraiment une transition entre la partie côte sauvage ou totalement préservée et ici où on arrive du côté où il y a beaucoup plus d'habitations. Un port très très bien préservé, très sympathique. Et puis, des plages pour se baigner de ce côté qu'on n'avait pas du tout sur la côte sauvage. Et au niveau des jambes? Tout va bien. Nickel, prêt à repartir. On continue GR34, voilà. On s'arrête pas. Là, il nous reste à peu près 10 km à faire pour rentrer à nos véhicules. Mm-hmm. Et le prochain, on ne sait pas, on verra justement si on en refait un autre et tout ça. Et c'est un plaisir de se revoir et d'avoir pu justement refaire ce circuit. Et moi, je vous dis à très bientôt avec Équilibre Sport et Nature. Merci Elisabeth. Merci Johan.